Madame Anne Brasseur, qui est membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe du Luxembourg, membre de la Commission de la Culture, de la Science et de l'Éducation, de la Commission du Règlement et de la Commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l'Europe, membre des sous-commissions des médias, du patrimoine culturel et sur le Proche-Orient, présidente du groupe Alliance des démocrates et libéraux européens, et qui est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la Tunisie et qui va nous donner son point de vue sur cette question. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. On m'a donné 10 minutes pour vous parler de la situation en Tunisie 2 jours après les élections. Je dois vous dire, je suis si enthousiaste que je me demande comment je pourrais le faire en 10 minutes, mais je vais quand même essayer. Ce que j'ai pu vivre pendant toute cette période en Tunisie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je voudrais vous dire, vous parler du contexte dans lequel l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe s'est engagée dans ce processus. 2 semaines après la révolution du mois de janvier en Tunisie, nous avions eu un débat d'urgence à l'Assemblée parlementaire et j'ai eu la chance d'en être le rapporteur. Et là, nous avons tout de suite dit qu'il faut accompagner ce mouvement, mais pas nous immiscer, parce que c'est la révolution des Tunisiens pour la Tunisie. Et ce n'est pas à nous, en tant qu'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ou à quelque autre organisme international, de s'immiscer dans les affaires de la Tunisie, mais nous avons offert toute notre aide et tout notre savoir-faire en ce qui concerne la structure des démocraties. Au mois de mars, la Commission politique a eu une table ronde avec des représentants d'ONG de la Tunisie et c'est là que nous avons pu nouer les premiers contacts. Au mois d'avril, j'ai eu la chance d'accompagner les autres présidents des groupes politiques et le président de l'Assemblée parlementaire pour une visite en Tunisie. Et là, nous avons eu la chance de rencontrer tous ceux qui avaient et qui ont toujours une responsabilité, à commencer par le président ad interim de la Tunisie, le Premier ministre, un homme remarquable, également le ministre des Affaires étrangères. Et j'ai eu le grand plaisir de faire la connaissance à l'époque du ministre délégué auprès des premiers ministres, M. Benachour, qui maintenant est ambassadeur ici pour la Tunisie, et ça me fait plaisir de le revoir. Et j'aimerais qu'on l'applaudisse, et avec lui, tous ceux qui ont pris vraiment la responsabilité en ce moment crucial. Merci. Non, c'est monsieur. Oui. Dizzy, oui, ici. Vous n'êtes pas monsieur Benachour. Je voulais dire, j'ai eu la chance de rencontrer monsieur Benachour, mais également, je voulais que monsieur l'ambassadeur, que vous transmettiez nos remerciements à tous ceux qui ont pris les responsabilités dans votre pays. C'est formidable. Merci, merci infiniment. Et nous avons donc eu la chance de rencontrer tous ces gens qui ont construit ce pays. Et je dois vous dire, vous venez de parler des structures, ils ont mis en place une commission indépendante pour suivre les buts de la révolution. Et ça c'est M. Benachour, l'autre M. Benachour, on ne s'y retrouve pas avec les noms, je m'en excuse. Et là, ils avaient 160 personnes de toute la société civile et des partis politiques, et dans le consensus, ou ils ont essayé dans le consensus de construire cette nouvelle démocratie. Il y avait maintenant un gouvernement qui était sans base légale, sans légitimation, et il n'y avait pas de base légale, et ce gouvernement a gouverné avec des décrets-lois. Ils ont réussi à mettre sur pied une commission indépendante pour les élections qui a développé un code électoral
qui a permis justement d'avoir les élections au mois d'octobre. Et avant, il voulait déjà faire des élections au mois de juillet, mais le temps était vraiment trop court pour s'organiser. Je dois vous dire que c'est un exploit d'avoir réussi en 10 mois à mettre sur pied un code électoral qui a permis de tenir ces élections. Nous avons eu au Conseil de l'Europe également un rapport au mois de juin où nous avons pris une résolution et une recommandation, et je crois que les textes se trouvent devant sur la table de documentation. Je voudrais vous parler du contexte des élections. Il y avait 10 000 candidats pour 111 partis, vous en avez parlé. Et pour s'inscrire sur les listes électorales, il fallait se présenter et il y avait 55% d'électeurs qui étaient inscrits. Mais les autres pouvaient également voter avant-hier, le jour même, avec leur carte d'identité. Et de ces 55% inscrits dans les bureaux de vote, il y avait une participation de presque 90%, ce qui est remarquable. Et c'est un vote qui s'est fait à la proportionnelle, c'est-à-dire qui ne voulait pas un vote majoritaire pour éviter justement la prédominance d'un parti ou d'une mouvance, mais vraiment d'avoir un vote proportionnel. Ce qui nous intéresse ici, c'est que la commission indépendante a décidé, et ça a été coulé dans un décret-loi, que les listes à établir étaient paritaires, donc homme-femme, homme-femme. Ce qui est formidable, mais il faut savoir que les têtes de liste sont presque partout des hommes, sauf quelques exceptions. Et étant donné l'éparpillement de toutes les voix, les partis, souvent dans chaque circonscription, n'ont droit qu'à un seul élu, et donc ce sera forcément un homme. Donc malgré cette parité sur les listes, il y aura une large majorité d'hommes dans ces parlements. C'est juste les grands partis, et avant tout Ennahda, qui aura plus d'élus par circonscription, que là, il y aura également une femme, parce que les femmes sont en deuxième place, et donc la majorité des femmes de l'Assemblée constituante seront des femmes du parti Ennahda, mais elles ne sont pas très nombreuses. Donc la parité, c'est très bien, mais le système électoral fait qu'il n'y aura pas beaucoup de femmes qui seront présentes à cette assemblée constituante. Il faut également savoir qu'il y avait 7700 bureaux de vote, il fallait former 30 000 personnes, il y avait 55 000 bénévoles qui ont participé pour organiser ces élections, et on a fait ça en un temps record. Et maintenant, je voudrais en venir à la journée même, donc la journée d'avant-hier. Et je dois vous dire, ça c'est ce moment historique, c'était un moment, une atmosphère de fierté, de joie et de dignité. Les gens faisaient la queue pendant des heures pour être admis à voter. Et partout, en tant qu'observateur, parce que j'étais observateur également avec mon collègue Mendes Botta et avec Nursuna Memecan, qui est également présente à cette conférence, nous avons partout été accueillis les bras ouverts. Les gens nous ont dit « Mais bienvenue en Tunisie ». Il y en a un qui a dit « Faites comme chez vous, mais vous devez savoir, vous êtes chez nous ». Et ça, c'était très bien dit, parce que ce sont des élections des Tunisiens pour la Tunisie, et nous, on était là en tant qu'observateurs. Les gens qui attendaient étaient pleins d'espoir. Il y en a qui avaient les larmes aux yeux parce qu'ils ont dit « c'est pour la première fois qu'on vote ». Et pour l'enregistrement, pour le pointage au bureau de vote, il y a eu vraiment quelques problèmes, ce qui a fait qu'il y avait ces longues files d'attente. Fait très curieux,
surtout en milieu rural, il y avait des files d'attente séparées entre hommes et femmes. Et moi, je dois vous dire que j'étais quand même très étonnée de voir ça. Alors j'ai posé la question, mais qui a organisé ça? Oui, mais chez nous, c'est la tradition. Et une fois qu'on avait commencé avec ce système, évidemment, les femmes, les quelques femmes, n'osaient pas se mélanger aux hommes. Et les femmes avaient quand même un avantage, parce que j'ai parlé à quelques-unes de ces femmes, j'ai dit, mais pourquoi vous n'êtes pas mélangées? Il y a moins de femmes qui votent, alors on entre plus vite, parce qu'on a fait ça. un homme et une femme pour aller voter. Mais pour dire que les traditions sont quand même encore bien ancrées dans ce pays. Les opérations se sont très très bien déroulées. Les gens dans les bureaux de vote, les agents dans les bureaux de vote étaient très bien formés, très bien qualifiés. Et ça se jouait vraiment dans la bonne ambiance. Et je dois dire qu'il y avait pas mal de gens qui ne savent pas lire et qui étaient un peu désemparés et elles ne pouvaient pas se faire aider. Et là, la façon dont le président du bureau de vote les a traités, et c'était souvent des femmes, c'était quand même remarquable. On a dit, oh, faites votre choix, vous allez trouver. Et ça, c'est un point où, pour les prochaines élections, on va suggérer aux autorités tunisiennes que ces personnes qui ne savent pas lire, qu'elles se fassent accompagner, comme les personnes malvoyantes peuvent se faire accompagner également. Mais en sortant, et je vous donne comme ça l'atmosphère que j'ai ressentie, il y a une vieille dame qui est sortie de l'isoloir, elle a pris son bulletin de vote et en le mettant dans l'urne, elle a dit haut et fort, les larmes aux yeux, vive la Tunisie. Et je dois vous dire, j'ai eu la chair de poule en voyant cela. Et les jeunes, il y avait un jeune homme qui avait amené le drapeau tunisien. Il l'a mis sur les épaules avant d'entrer dans l'isoloir. C'est dire toute cette symbolique qu'il y a derrière ces élections. Et je suis pleine d'admiration devant cette Tunisie et devant les Tunisiens.